Salut les futurs pianistes, c'est Iwan, votre professeur de piano en ligne. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à jouer la musique du film Requiem for a Dream. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, c'est un film qui date d'il y a environ 20 ans maintenant, qui est assez marquant. Et par contre la musique est très connue, donc je vous conseille de la jouer, car elle est assez agréable et assez facile à mettre en place. Elle se base sur trois accords. Si vous n'êtes pas encore familier sur tout ce qui est accords majeurs et accords mineurs, vous pouvez consulter la playlist en complément de cette vidéo qui s'affiche à l'instant. Pour ma part, je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à tout de suite au clavier. On va commencer main droite, si bémol 4, la 3, sol 2, ré pouce. Trois fois. Et ensuite, do, si bémol, la, si bémol, sur 5, 4, 3, 4. Ce qui va donner ceci. Et on va accompagner cette petite introduction par une basse en octave pour donner plus de profondeur. Donc, sol et sol, 5, 1. Ensuite, mi bémol. 4-1 et ensuite Ré sur 5-1. Ce qui va donner ceci mains ensemble, il faudra jouer cette partie 4 fois. Donc ensuite, c'est assez simple, on va avoir 3 notes, donc Si bémol, La et Sol sur 3, 2, 1. Et en fait, on va vraiment jongler entre chaque note. Ça va donner ceci. Si sol, 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 si la, 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 si la. Voilà, évitez de trop compter, faites-le plus à l'oreille. Alors, à la main gauche, on va changer un petit peu, vous allez voir, ça va être sympa. Donc, on va prendre la basse, sol, c'est toujours le même accord que tout à l'heure, et on va aller chercher l'accord de sol, si bémol, ré, comme ceci, sur 5, 3, 1, et on va le jouer trois fois. Donc, ça va donner comme ceci. Ensuite, on va aller chercher la basse de mi bémol, pour aller chercher l'accord de mi bémol, sol, si bémol, une fois. Ensuite, ré. Et Ré Fa dièse La, main gauche. Ce qui va donner ceci. Et ensuite, on revient sur le Sol. Donc les deux mains ensemble, ça va donner ceci. Faites bien attention à la coordination des mains. Et là, on reprend ce thème une deuxième fois. Donc après, on va avoir un nouveau thème un peu plus fou, donc avec plein de notes partout, mais ça restera Sol à Si bémol. Ça va donner ceci lentement. Si, si, la, la, Sol. Si, 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 la, la, Sol. Si, 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 la, la, Sol. Sol, 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 la, 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 si, si. Et ensuite, on répète. Et les deux mains ensemble, ça va donner ceci. On va garder la même basse en main gauche. Voilà, il faudra répéter à partir de là. Ensuite, on va reprendre le thème, le premier, et ensuite on va terminer par l'introduction deux fois. Donc je vous joue le morceau en entier.